Au cours de l'épisode de Pékin Express, le choix secret diffusé ce jeudi 9 mars, Clément et Emeline, l'équipe surprise, vont se retrouver au cœur d'un quiproquo plutôt gênant, mais qui cesse de terminer par un grand moment d'émotion. Explication. La 17e saison de Pékin Express, le choix secret, est diffusée depuis le jeudi 16 février dernier sur M6. Les téléspectateurs ont fait la connaissance de 8 binômes. Alexandra et Laura, les sœurs Chien et Chat, Xavier, le patron et Céline, son employé, Nathalie et Enoji forment le binôme des inconnus, Alexandre et Chérine, les amoureux stratèges. Paloma et Jason, le drôle de couple belge. Colette et Léa, la tante et sa nièce, Cyril et Luc, le couple breton, Tanguy et Florian, les cousins Candide, éliminés respectivement lors du premier, deuxième et troisième épisode, complètent le casting. Les difficultés pour trouver un logement dans Pékin Express ce jeudi 9 mars, à la fin de la première journée de course, Clément et Emeline ont rencontré de grandes difficultés pour trouver un logement. D'ailleurs, dans ce cas de figure, la production n'intervient pas et certains candidats doivent se résoudre à dormir à la Belle Étoile. Il y a toutefois une exception, si les conditions de sécurité ne sont pas réunies, comme la production nous l'a indiqué. S'ils se trouvent dans un lieu potentiellement dangereux, avec des animaux sauvages ou dans une zone à quelconque risque, alors elle intervient. Mais dans ce quatrième épisode du jeu de M6, et après plus d'une heure trente de recherche, les animateurs de camping semblent enfin voir le bout du tunnel. Ils sont tombés sur un habitant avec qui ils ont entamé des négociations. Et si l'homme avait l'air ouvert à la discussion, Clément et Emeline étaient loin d'imaginer ce qu'ils traversaient. Dans la langue locale, leur hôte leur confie qu'ils vont devoir patienter car une veillée funèbre est en train de se dérouler chez lui en l'honneur de son père disparu. Clément et Emeline très déstabilisés de se retrouver en pleine veillée funèbre, mais Clément pense comprendre que l'homme doit demander à son père. Si est-il donc un énorme quiproquo qui s'installe entre le binôme et l'habitant, qui vient de perdre son père. Une fois arrivés à la maison de ce dernier, Clément et Emeline découvrent que de nombreux villageois sont présents, ils pensent même qu'il y a une fête. « On se dit, ah si est-ce cool il y a une fête », explique Emeline, avant de voir les habitants réunis autour d'une photo et de bougies, et de comprendre le recueillement en cours. Clément cesse alors d'excuser immédiatement, « Si nous dérangeons, nous partons », ajoute le jeune homme, très déstabilisé. Les candidats vont malgré tout être accueillis et assister à ce moment très particulier. On n'était jamais tombé sur un moment plus triste, comme ça. Ils sont contents de nous accueillir. En même temps, si est-ce un moment triste, hors du temps, estime Emeline. Un malaise qui se solde par un instant d'une grande humanité. À lire aussi Pékin Express 2023, qui sont Clément et Emeline, qui forment le binôme surprise.